Cher. 200 000. 200 000. Huntington me le reprend à 22. Qui est-ce? Huntington. Connais pas. Huntington. La galerie Huntington. Ah, la galerie Huntington te le reprend à 22. Non, pas la galerie. Lui. Huntington. Lui-même. Pour lui. Et pourquoi c'est pas Huntington qui l'a acheté? Parce que tous ces gens ont intérêt à vendre à des particuliers. Il faut que le marché circule. Ah oui. Alors, tu n'es pas bien là. Regarde-le d'ici. Tu aperçois les lignes? Comment s'appelle le... Peintre Antrios. Connu? Très, très. Serge, tu n'as pas acheté ce tableau de 100 000 francs. Mais mon vieux, c'est le prix. C'est un Antrios. Tu n'as pas acheté ce tableau de 100 000 francs. J'étais sûr que tu passerais à côté. Tu as acheté cette merde de 200 000 francs. Mon ami Marc, qui est un garçon intelligent, garçon que j'estime depuis longtemps, belle situation, ingénieur dans l'aéronautique, fait partie de ces intellectuels nouveaux qui, non content d'être ennemi de la modernité, en tire une vanité incompréhensible. Il y a depuis peu chez l'adepte du bon vieux temps une arrogance vraiment stupéfiante. Comment peux-tu dire cette merde? Un peu d'humour, Serge, ris. Ris, vieux. Non, c'est prodigieux que tu aies acheté ce tableau. Ben, que tu trouves cet achat prodigieux, tant mieux, que ça te fasse rire bon, mais je voudrais savoir ce que tu entends par cette merde. Tu te fous de moi? Pas du tout, cette merde par rapport à quoi? Quand on dit telle chose est une merde, c'est qu'on a un critère de valeur pour estimer cette chose. Mais à qui tu parles? À qui tu parles en ce moment? Ouh! Tu t'intéresses pas à la peinture contemporaine. Tu ne t'y es jamais intéressé, tu n'as aucune connaissance dans ce domaine. Alors, comment peux-tu affirmer que tel objet, obéissant à des lois que tu ignores, est une merde? Mais c'est une merde. Excuse-moi. Il n'aime pas le tableau. Bon. Aucune tendresse dans son attitude. Aucun effort. Aucune tendresse dans sa façon de condamner. Un rire prétentieux, perfide. Un rire qui sait tout mieux que tout le monde. J'ai haï ce rire. Que Serge ait acheté ce tableau me dépasse, m'inquiète et provoque en moi une angoisse indéfinie. En sortant de chez lui, j'ai dû sucer 3 granules de gelsémium, 9CH, que Paula m'a conseillé. Puis entre parenthèses, elle m'a dit gelsémium ou Ignatia. Donc tu préfères gelsémium ou Ignatia? Qu'est-ce que je sais, moi? Car je ne peux absolument pas comprendre comment Serge, qui est un ami, a pu acheter cette toile. 200 000 francs. Un garçon aisé, mais qui ne roule pas sur l'or. Aisé, sans plus. Aisé, bon. Qui achète un tableau blanc 20 briques. Je dois en référer à Yvan, qui est notre ami commun. En parler avec Yvan. Quoique,
Yvan est un garçon tolérant, ce qui en matière de relations humaines est le pire défaut. Non, Yvan est tolérant parce qu'il s'en fout. Si Yvan tolère que Serge ait pu acheter une merde blanche 20 briques, c'est qu'il se fout de Serge, c'est clair. Je m'appelle Yvan. Je suis un peu tendu car après avoir passé ma vie dans le textile, je viens de trouver un emploi de représentant dans une papeterie en gros. Je suis un garçon sympathique. Ma vie professionnelle a toujours été un échec et je vais me marier dans 15 jours avec une gentille fille brillante et de bonne famille. Qu'est-ce que tu fais ? Je cherche le capuchon de mon feutre. Bon, ça suffit. Non, mais je l'avais il y a 5 minutes. Mais c'est pas grave. Oui, bah si. Écoute, arrête, on achètera un autre. Bon, écoute, ce sont des feutres exceptionnels. Tu peux dessiner sur toutes les matières avec ça. Ça m'énerve. Tu peux pas savoir ce que les objets m'énervent. Je serrais ce capuchon il y a 5 minutes. Vous allez vous installer ici ? Tu trouves bien pour un jeune couple ? Un jeune couple ? Évite ce rire devant Catherine. La papeterie bien, j'apprends. Hein, bien. Tu as maigri. Oui, un peu, oui, ça m'emmerde de ne pas avoir retrouvé ce capuchon, il va sécher maintenant. Assieds-toi. Écoute, si tu continues à chercher ce capuchon, je m'en vais. Bon, ok, je m'arrête. Tu veux boire quelque chose ? Un Perrier, si tu as. Bon. Comment tu les vois Pardon ? Les lignes blanches, puisque le fond est blanc, comment tu vois les lignes Parce que je les vois, parce que... Mettons que les lignes soient légèrement grises, ou l'inverse, il y a des nuances dans le blanc. Le blanc est plus ou moins blanc. Mais ne t'énerve pas. Pourquoi tu t'énerves ? Mais tu cherches tout de suite la petite bête. Tu ne me laisses pas finir. Bon. Alors ? Bon. Donc... Tu vois le tableau ? Je vois, oui. Maintenant, tu vas deviner combien Serge l'a payé. Qui est le peintre ? Antrios. Tu connais ? Non, il est coté ? J'étais sûr que tu allais poser cette question. Logique ? Mais non, c'est pas logique. Si, c'est logique. Tu me demandes de deviner le prix, tu sais bien que le prix est fonction de la cote du peintre. Je ne te demande pas d'évaluer ce tableau en fonction de tel ou tel critère. Je ne te demande pas une évaluation professionnelle. Je te demande ce que toi, Yvan, tu donnerais pour un tableau blanc agrémenté de quelques rayures transversales blanc cassé. 0 centime. Bien. Et Serge ? Non, articule un chiffre au hasard. 10 000 ? 50 000 ? 100 000 ? Non, non, vas-y, vas-y. 15 ? Non. 20 ? 20 ! 20 briques. Non. Si. 20 briques. 20 briques. Il est dingue. N'est-ce pas? Remarque. Remarque quoi? Si ça lui fait plaisir. Il gagne bien sa vie. C'est comme ça que tu vois les choses, toi. Pourquoi tu les vois comment, toi? Tu ne vois pas ce qu'il y a de grave là-dedans. Non. C'est curieux que tu ne vois pas l'essentiel dans cette histoire. Tu ne perçois que l'extérieur. Tu ne vois pas ce qui est grave. Qu'est-ce qui est grave ? Tu ne vois pas ce que ça traduit. Tu veux encore des noix de cajou ? Tu ne vois pas que subitement, de la façon la plus grotesque qui soit, Serge se prend pour un collectionneur. Ah, désormais, notre ami Serge fait partie du Gotha des grands amateurs d'art. Non, mais non. Ben, bien sûr que non, à ce prix-là, on fait partie de rien. Mais lui, il le croit. Ah oui ? Et ça ne te gêne pas ? Si ça lui fait plaisir... Mais qu'est-ce que ça veut dire, si ça lui fait plaisir ? Qu'est-ce que c'est que cette philosophie du « si ça lui fait plaisir » ? Non mais, dès l'instant qu'il n'y a pas de préjudice pour autrui... Mais il y a préjudice pour autrui ! Moi je suis perturbé, mon vieux ! Je suis perturbé ! Je suis même blessé, si, de voir Serge que j'aime se laisser plumer par snobisme et ne plus avoir un gramme de discernement. Mais tu as l'air de le découvrir, il a toujours hanté les galeries de manière ridicule.
Il a toujours été un rat d'exposition. Bon, il a toujours été un rat, mais un rat avec qui on pouvait rire. Car vois-tu, au fond, ce qui me blesse réellement, c'est qu'on ne peut plus rire avec lui. Bah, mais si. Bah, non. Tu as essayé? Bah, bien sûr, j'ai ri de bon cœur. Que voulais-tu que je fasse? Il n'a pas desserré les dents. 20 briques, c'est un peu cher pour rire, remarque. Oui. Oh, oui. Avec moi, il rira, hein. Ça m'étonnerait. Tu as encore des noix? Oui. Mmh. Oui. Il rira. Tu verras. Et avec les beaux-parents, bon rapport? Excellent. Il se dit, c'est un garçon qui a été d'emploi précaire en emploi précaire. Maintenant, il va tâtonner dans le velin. Voilà. Merci. Oui, ah, dis donc, j'ai un truc sur la main, là. C'est quoi? C'est grave? Non. Non. Bon, bah, tant mieux, alors... Quoi de neuf? Rien, beaucoup de travail, fatigué. Ça me fait plaisir de te voir, tu m'appelles jamais. Bah, j'ose pas te déranger. Tu plaisantes, tu laisses ton nom à ma secrétaire et je te rappelle tout de suite. Oui, bah, non, bah, tu as raison, tu as raison. De plus en plus monacal chez toi. Hein. Oui, oui. Tu as vu Marc récemment? Pas récemment, non. Tu l'as vu, toi? Oui, oui, il y a 2-3 jours. Il va bien? Oui, sans plus. Ah bon? Non, mais il va bien. Je l'ai eu au téléphone la semaine dernière, il avait l'air bien. Hein. Oui, il va bien. Tu avais l'air de dire qu'il n'allait pas très bien. Pas du tout, je t'ai dit qu'il allait bien. Tu as dit sans plus. Oui, sans plus, mais il va bien. Alors, tu es sorti un peu, tu as vu des choses... Rien, je n'ai plus les moyens de sortir. Ah bon? Je suis ruiné. Ah. Ruiné. Ah bon? Tu veux voir quelque chose de rare? Tu veux? Et comment? Montre. Ah oui. Ah, oui, oui. En trios. Oui. En trios des années 70, hein, attention, il a une période similaire en ce moment, mais celui-là, c'est un de 70. Ah oui, bien sûr. Cher? Dans l'absolu, oui, en réalité, non. Il te plaît? Ah oui. Ah oui, oui, écoute, oui, ah oui. Évident. Évident, et en même temps... Paradoxal. Probablement... Combien? 200 000. Eh oui. Eh oui. Dingue, non? Mais dingue. 20 briques! Tu sais que Marc a vu ce tableau? Ah bon? Atterré! Ah bon? Il m'a dit que c'était une merde! Terme complètement inapproprié! Mais complètement! On peut pas dire que c'est une merde! Non. On peut dire je ne vois pas, je ne saisis pas, mais on peut pas dire c'est une merde! Non mais tu as vu chez lui! Rien à voir, chez toi aussi! Enfin, je veux dire, tu t'en fous! Oui, non mais lui c'est un garçon classique, c'est un homme classique, comment veux-tu? Il s'est mis à rire d'une manière sardonique, sans l'ombre d'un charme! Sans l'ombre d'un humour. Enfin, tu vas pas découvrir aujourd'hui que Marc est impulsif. Il n'a pas d'humour.
Avec toi, je ris, avec lui, je suis glacé. Bon, il est un peu sombre en ce moment, c'est vrai. Je lui reproche pas de ne pas être sensible à cette peinture. Il n'a pas l'éducation pour, il y a tout un apprentissage qu'il n'a pas fait parce qu'il n'a jamais voulu le faire. Ou parce qu'il n'a pas de penchant particulier, peu importe. Ce que je lui reproche, c'est son ton. Sa suffisance. Son absence de tact. Je lui reproche son indélicatesse. Et je lui reproche pas de ne pas s'intéresser à l'art contemporain. Je m'en fous. Je l'aime au-delà. Mais lui aussi. Non, j'ai senti chez lui l'autre jour une sorte de condescendance, de raillerie aigre. Non. Mais si, ne sois pas toujours à essayer d'aplanir les choses. Cesse de vouloir être le grand réconciliateur du genre humain. Admets que Marx nécrose. Parce que Marx nécrose. On arrive. Tu arrives. Non, on arrive. On arrive tous les deux. On arrive, je te le jure, sur la tête de Catherine, on arrive ensemble tous les deux. Tu lui as dit que c'était une merde et vous avez ri. Non, je lui ai pas dit que c'était une merde. Hein. On arrive spontanément. Tu es arrivé, tu as vu le tableau, tu as ri, et lui a ri aussi. Si tu veux, oui. Enfin, après deux ou trois mots, c'est comme ça que ça s'est passé, oui. Et il a ri de bon cœur. Mais de très bon cœur. Eh bien, tu vois, je me suis trompé, tant mieux. Non, tu me rassures, vraiment. Et je vais même te dire mieux. C'est Serge qui arrive premier. Ah, c'est Serge qui arrive premier. Ah oui. Alors, il a ri, et toi, tu as ri après. Oui. Mais lui, pourquoi il a ri? Eh bien, il a ri parce qu'il a senti que j'allais rire. Il a ri pour me mettre à l'aise, si tu veux. Oui, mais ça ne vaut rien s'il a ri en premier. S'il a ri en premier, c'est pour désamorcer ton rire. Ça ne signifie pas qu'il riait de bon cœur. Mais il riait de bon cœur! Il riait de bon cœur, mais pas pour la bonne raison. C'est quoi déjà la bonne raison? J'ai un trouble. Il ne riait pas du ridicule de son tableau. Vous ne riez pas, lui et toi, pour les mêmes raisons. Toi, tu riais du tableau, et lui, il riait pour te plaire, pour se mettre à ton diapason. Pour te montrer qu'en plus d'être un esthète qui peut investir sur un tableau ce que tu ne gagnes pas, toi, en un an, il reste ton vieux pote iconoclaste avec qui on peut se marrer. Ah. Tu sais, Tu vas être étonné. Oui. Je n'ai pas aimé, hein. Mais je n'ai pas détesté ce tableau. Ben évidemment, on ne peut pas détester l'invisible. On ne déteste pas le rien. Non, il y a quelque chose. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a quelque chose. Ça n'est pas rien. Tu plaisantes? Mais absolument pas. Pas du tout. Moi, je ne suis pas aussi sévère que toi. Hein. C'est une œuvre. Il y a une pensée derrière ça. Une pensée? Il y a une pensée. Quelle pensée? C'est l'accomplissement d'un cheminement. Ça n'est pas un tableau peint par hasard, c'est une œuvre qui s'inscrit à l'intérieur d'un parcours. Bon, d'accord, ok, rigole. Allez. Tu répètes toutes les conneries de Serge. Chez lui, c'est navrant, mais chez toi, c'est un comique. Tu sais, Marc, tu devrais te méfier de ta suffisance. Tu deviens aigri et antipathique. Eh bien, tant mieux. Tu vois, plus je vais, plus je souhaite déplaire. C'est ça, bravo. Une pensée. Voilà, on peut pas parler avec toi, alors. Hein? Une pensée derrière ça. Non, ce que tu vois est une merde, mais rassure-toi, il y a une pensée derrière. Tu crois qu'il y a une pensée derrière ce paysage? Non, hein, trop évocateur, trop dit, tout est sur la toile. Il ne peut pas y avoir de pensée. Tu t'amuses là, c'est bien. Mais hein? Yvan, exprime-toi en ton nom. Et dis-moi les choses comme tu les ressens, toi. Je ressens une vibration. Tu ressens une vibration? Oui, je ressens une vibration, oui. Tu nies que je puisse apprécier en mon nom ce tableau? Bah, évidemment. Mais pourquoi? Mais parce que je te connais.